Yo les potes, c'est une nouvelle petite vidéo. Je sais pas si je la publie ce soir. Non, je pense pas que je vais la publier ce soir. Donc vous la verrez sûrement demain matin parce que je la fais vers 23h. Du coup, on en était à où dans notre petite map edit? Je vous rappelle qu'il vous reste 10 jours pour faire la map edit. Ça finit en 2022. Donc vous avez encore 10 jours, ça va. Du coup, on en était la dernière fois à VTX qui avait fait 18h45. Donc c'était le world record. Donc voilà, vous avez vu qu'on avait vu toutes les vidéos. Donc on était à 18h45 de VTX. C'est lui qui avait gagné. Enfin, qui avait gagné. Enfin, c'est pas fini, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, aujourd'hui, on a 3 vidéos. J'ai attendu un petit peu qu'il y en ait plus, tu vois. Donc on a Luke. Donc c'était le concurrent de VTX. Ils avaient une seconde d'écart. Et du coup, Luke qui a fait 46, donc une seconde de moins que VTX. Donc il a battu entre guillemets. Luke qui a refait une deuxième fois la map et qui a fait encore une seconde de moins, donc 47, ça veut dire 2 secondes de moins que VTX. Et on a Nopix qui a mis Nopix is back, je sais pas pourquoi. Apparemment il a fait 37, mais du coup on verra sa vidéo en dernier parce que j'ai pas compris, il a pas marqué le record dans la description. Ou peut-être qu'il a fait la map sur manette, je sais pas. En tout cas, quand on marque le hashtag, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas tout le monde, donc si vous voulez voir tout le monde, ce que vous faites, c'est comme ça, date de mise en ligne, et vous voyez les derniers qui ont mis. Du coup, c'est parti. Hop. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez faire le record, c'est hashtag NQEdit. Le code, il est en haut ici, ou sinon, vous voyez le code sur ma vidéo. Et c'est parti. J'ai mis 1 minute 40 à parler, c'est un peu long, je suis désolé. Let's go. Allez. Donc là, c'est Luke, c'est ça? Ouais. Punaise. Il a failli se fail. Désolé pour la qualité. Oh, il a essayé de faire un truc pour ce boost. Je pense pas que ça fasse gagner du temps. Ou en tout cas une milliseconde, mais bon. Ok. Attends, ça fait longtemps que je l'avais pas vu du coup, la map. J'avais commencé à la tryhard moi aussi, mais je participe pas, donc ça sert à rien. Ok, donc là, il garde 52 builds. Ok, donc là, quand on fait ce record, normalement, il faut vraiment perfect. Donc en attendant, c'est perfect. Pour moi, c'est un perfect. En attendant. Donc on va bien voir. Ok, il a réussi à sauter direct. La grenouille qui est one shot, c'est parfait, il perd aucun temps. Ici, est-ce que c'était pas l'épreuve où il perdait un petit peu de temps la dernière fois? Et c'était VTX qui l'avait one shot, je crois. Ouais, voilà, il a fait un mini fail. VTX, je crois, il avait one shot cette épreuve. Cette épreuve qui est un petit peu galère. Qu'il a... Oh, deuxième fail, ok. Je pense qu'il a perdu 2-3 secondes avec les deux fails qu'il vient d'avoir. Mais ça va. Est-ce qu'il fait la strat? Ouais, il l'a fait. Oh, grave rapide. Ok, en attendant, c'est vraiment bien. Ok, 18h46. Eh bah, très très bien. Très 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 bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les commentaires? GG, j'ai 47. Oh, VTX qui lui dit qu'il a 47. D'accord. Bah, du coup, VTX, il a même pas publié son record. Parce que, bah, il a fait 47, Luke. On va quand même regarder la chaîne de VTX, on sait jamais. Non, il n'a pas refait la map en attendant. Du coup, Luke qui fait 47, Laid qui est un autre participant qui lui marque GG. Et donc c'est parti. Attention. Ah, je sais pas si vous avez vu, il a perdu une milliseconde, regardez. Hop, là, vous avez vu, il s'est arrêté. Ça change pas grand-chose, mais voilà quoi. Et le boost, il l'a un petit peu raté avec le mur. Ok. Je sais pas comment... Parce que là, en attendant, il a fait... Déjà des mini fails. Parce que moi je vous dis, dès que je vois un mini fail, je le dis. Parce que même si c'est juste un mini fail et ça change que dalle, c'est sûr que à la fin ça te perd une milliseconde. Donc c'est un peu chiant. Ok. En attendant, c'est parfait. Est-ce que là il a one shot? Ok, one shot. La grenouille, parfait. Lui il a de la chance en attendant. Les grenouilles elles spawnent toujours au milieu. Ok, il est chaud, il est chaud. Je pense que ce skin, je l'aime pas du tout. Bon, là, on juge le skin, ça a rien à voir. Ok, là, il a pas fail comme la dernière fois. Ok, aucun fail. Alors que, vous vous rappelez, juste avant, il avait fait deux fails où il vient de passer. Et là, il y en a zéro. Ah, là, il a perdu du temps, vous avez vu? Regardez. Hop, là, il se cogne contre le mur et il avançait pas pendant une petite seconde. Alors que dans le record juste avant. Qu'on vient de voir, le 46, il avait pas fail ici. Ok, 47. Par contre, ça coupe instant. On n'a même pas le temps de voir que ça a coupé.
Ok, du coup, toujours un petit fail. Donc, je pense que c'est possible de faire encore une seconde de moins sur son record à lui. Je pense qu'il peut réussir à faire 48 ou 49. Peut-être le 50. Donc, voilà. Et on va passer à Nopix qui a fait un petit truc drôle. Enfin, je sais pas. Ewars XD. Ok. Attends, j'avais mis en plein écran ou pas sur les autres. Je me rappelle plus. J'espère que j'étais en plein écran. Ouais, je pense que j'étais en plein écran. Ouais, je pense. Du coup, c'est parti. Bon, il a mis une musique, on va l'enlever. Je sais pas pourquoi il parlait de DeWars. Du coup, apparemment, lui, il a pas fait un record, mais on va quand même regarder parce que c'est intéressant. En attendant, il n'y a aucun fail. Donc, s'il continue sans fail, il aurait pu avoir le record. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelques fails à certains endroits. C'est bien parce que tout le monde garde. Ah, là, c'est un fail. Tout le monde garde le build. Il a l'air d'éditer quand même vite, donc c'est dommage qu'il ait fait un fail. Il a perdu. En plus, son fail, c'est un gros fail, donc il a dû perdre 2 secondes. Alors que là, regardez, il gère bien. Donc je pense qu'il a tryhard la map, il peut réussir à faire un record. Ok, là, il s'est arrêté une petite seconde pour pouvoir bien passer one shot. Je sais pas si c'était worse. Ok. Cette épreuve, peut-être qu'il faut qu'il la try un petit peu. Il arrive bien à la gérer. Franchement, il va assez vite. Mais on sent que il perd un petit peu de temps. Ok, un mini fail, un deuxième mini fail. Cette épreuve, on dirait. Ah non, ça va. Ouais, c'est juste des fois il one shot et des fois il one shot pas. Bon, là il fait des zigzags. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Ça lui fait perdre pareil une mini seconde. Ok, ça il a un petit peu galéré, mais c'est pas grave. En vrai, le record m'a l'air pas mal. Et 37. Ok, bah ben, en vrai, ça va, je trouve. Pourtant, il a fait 10 secondes de plus, de moins. Enfin, bref, vous avez compris, il a fait 10 secondes de plus que la personne qu'on venait de voir juste avant. Donc voilà. Mais c'est cool. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et comme je vous l'ai déjà dit, la map se finit dans 10 jours. Vous avez le temps de faire plein de records. Je pense que le record sera vers, je sais pas en vrai, 18,50, 55. Je pense maximum 19. Grand max, impossible de faire plus. Même 19, c'est compliqué. Sachant que là, Luke, il a pratiquement fait un perfect run et il a fait 47. 13 secondes de moins, c'est compliqué. Mais bref, j'en dis pas plus. À vous de bien theorycraft la map. Et du coup, voilà. Et aussi, si vous êtes sur manette, sur Switch, etc., vous pouvez faire la map. Vous pouvez faire un record parce que je crois qu'il n'y a que des joueurs clavier-souris. Donc pourquoi pas, ça pourrait être cool. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pensez au code créateur NCU, ça me ferait super plaisir, et puis ça m'aiderait à financer d'autres concours. Donc voilà, allez, ciao!